On était parti quelques semaines, on avait pris une pause en se disant que peut-être qu on portait malheur à ce football club de Metz qui enchaînait, enchaînait les défaites. On s'est dit on va se calmer un peu et se concentrer sur le côté supporter, histoire de leur dire allez les gars vous pouvez le faire. Au final, on revient après une défaite 3-0 contre Rennes et une défaite 4-1 contre Lens en se disant qu'on n'est peut-être pas la cause de tout ça. Et justement, on entre dans une semaine assez intéressante pour le FCMS, chers amis. Bienvenue déjà dans le Grenoble Football Club, 23e numéro. On reviendra sur le match de Lens et sur le match euh, qui arrive contre Sinté. Euh, on essaiera euh, après Sainté de revenir sur le match. Mais en tout cas, semaine très intéressante parce que le match contre Sinté, donc, c'est déjà le match de la peur. On joue contre le 20e. Et euh, du coup, grosse pression autour du FCMS et sur Frédéric Antonetti, qui est peut-être un tournant de son mandat. Voilà, bienvenue. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Dites-nous dans les commentaires aussi, parce qu'on est sur un nouveau mode technique. Euh, s'il y a bien, si vous entendez tout bien niveau son et s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, je vois qu'il y a le Ifou qui est là. Euh, salut. Et du coup, n'hésite pas à nous dire si tu vois des problèmes techniques et que voilà, on, on, est, on, 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 on prend tout. On est trois ce soir à discuter dans cette petite soirée FCMS. Euh, de, ce qui, de ce qui se passe autour de ce club et de ces de re, remous et ces fracas. Il y a Socket qui est avec moi. Salut Soquette. Bonsoir tout le monde. Euh, très heureux de partager euh, ma, ma joie actuelle <laughs> avec d'autres <laughs> supporters euh, un peu cinglés comme moi. donc euh, Très heureux d'être là. Très heureux de t'avoir avec nous aussi. Et on a le monsieur qui prend bien maintenant du plaisir en suivant la Massia Messine. Et les U19, je parle bien évidemment de Titi. Salut Titi, ça fait plaisir de te revoir. Et oui, ça c'est très très longtemps. Je ne saurais pas dire la dernière fois que je suis passé ici. Donc euh, très content d'être de retour. Eh mmh. bien bah, écoute, euh, on, te, on te retrouve avec plaisir. Eh bah, bien les gars, on va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, tout simplement, bah, lance-messe, 4 buts à 1. Euh, voilà, euh, le, score, euh, le score est dit. On part pourtant sur ce match avec une équipe quand même, Titi, une équipe assez, assez défensive, et on se dit, le FCMS va clairement jouer pour imposer un, un bras de fer défense contre, contre attaque, contre lance. Ben oui, c'est ça. Je pense que le postulat de départ, c'est de se rassurer défensivement après les trois buts contre euh, Rennes avec une défense euh, décimée. Là, tu avais le retour de, de qui d'ailleurs De Delennes, ouais, de Santon de... Delen. et de Braun. Oui. Donc, tu as trois joueurs Maga de Maïga euh, oui, aussi. Oui, aussi. Mais je parlais de la défense euh, vraiment. La euh, défense, oui. Donc, euh, avec ces retours-là, c'est un petit peu une défense plus euh, type et de, je pense que l'objectif de base c'était vraiment de se rassurer et... bon alors quand on regarde le score à la fin des 90 minutes on ne s'est pas rassuré <laughs> mais mm. c'était le postulat de départ mais les choses n'ont pas très bien tourné parce que c'est toujours les mêmes problèmes qu'en rencontre en défense peu importe les joueurs alignés au final Donc, euh, bon. mm. Socket, on a beaucoup entendu euh, sur ce 4-1 que c'était une une défaite un peu, un peu sévère selon les mots du, du staff, selon les mots euh, bah, qui, sont sortis, euh, qui sont sortis un peu dans la presse, vu l'incident qu'il y a eu à deux partout notamment, dont on ne reviendra pas trop dessus parce que ça a été débattu et débattu pendant de, pendant de longues minutes et de même de longues journées, de la part du club notamment. Mais de euh, trop longues journées, longue journée, exactement. Euh, Est-ce que pour toi, c'est aussi une, une, défaite, une défaite sévère euh, pff, Défaite sévère, non. Je veux dire... Euh... Euh, encore une fois, les, les intentions des deux équipes sont claires. Lance a une équipe qui cherche à jouer vers l'avant. Euh, je pense que ceux qui ont pu récemment écouter l'entraîneur de Lanse bah, comprennent très bien sa philosophie. Quoi. Le, le gars veut jouer vers l'avant. Et nous, on met une composition, et je dirais même, euh, après une animation, un système, qui cherche à ne pas prendre de buts. Et au final, euh, bah, tu en prends quatre. Euh, c'est pas euh, Metz prend 4 tirs, 4 buts pour Lens. On n'en est, on, on est, pas là. Parce que là, là j'aurais dit effectivement que la défaite est sévère. Euh, mais bon, sur ce match, je crois que Lens a quelque chose comme quoi 13 tirs. Ils ont cas de la moitié. Euh, donc parler de parler de défaite sévère, c'est un petit peu. Non, c'est juste que euh, encore une fois, Metz a. A clairement donné le bâton pour se faire battre durant ce match, mmh. euh, les buts en sont la preuve excellente. Hein. <laughs> vous, vous prenez tous les buts marqués par Lance, ce sont des buts où, où clairement on donne le, le bâton à Lance pour nous taper dessus et euh, du début à la fin du match quoi. Donc, euh, non, c'est donc c'est bien beau de sortir euh, des faits trop sévères d'un côté parce que euh, on a eu cuit à peu près 30 minutes, on va dire, de jeu. Euh, où ça a été un peu plus énergique, notamment euh, vers l'avant. Euh, mais bon, as... Oui. hein Non, non, non. non la, vidéo toujours... la vidéo tourne plus. Ah oui, oui, effectivement. Mais je pensais que c'était chez moi que ça tournait plus, mais ouais. Non, non. Je pense que je suis, je suis sur YouTube. J'ai le retour là. Ah, quel enfer. Attends, il y a beaucoup de je retrouve le Lenovo, là, parce que là, putain, le HP Pavillon, il, il prend très cher. Ah, c'est bon, on est de retour, j'ai l'impression. Bon, malheureusement, ça va être. On est en saccadé, donc euh, voilà, ça va être. On va faire avec. Euh, désolé d'avance pour les problèmes d'image. Voilà, si vous avez quelque chose, si vous avez envie de regarder le meilleur pâtissier en double écran et de nous écouter, voilà, n'hésitez pas, on se, fait un petit, on, se fait, on se met en mode podcast. Et. Euh... Et du coup, euh, donc normalement, normalement, on est revenu. N'hésitez pas à nous dire si on est euh, si on est là. Merci Steph pour le retour. Ça revient. Merci les gars d'être restés, en tout cas. Euh, donc du coup, on, où est-ce qu'on en était Rappelez-moi. On parlait de, de, de l'effroyable prestation. <laughs> Et Et coup, laquelle, on va rester sur lance, euh, sur lance assez, assez, assez gentiment euh, qu'est ce que que veut dire des erreurs individuelles euh, monstrueuses quand même sur, sur certains buts on arrive quand même à se mettre très facilement en difficulté alors qu'on essaie d'instaurer un contexte défensif en plus on a eu euh, on, revient, on, on va revenir dessus même maintenant euh, Socket, on a eu euh, un discours de euh, il y a eu une prise de conscience dans le groupe et en fait au bout de 8 minutes bah, Wesley Saïd euh, il, il met, à ma, il met euh, en illustration euh, tous les problèmes défensifs euh, individuels de ta, de ta défense oui et ça commence dès le, la relance qui amène ce but sur à ce coup franc joué par la défense euh, lançoise où euh, ce manque euh, d'envie, euh, ce manque de prise de conscience, entre guillemets, se voit très bien. C'est-à-dire que, le, le, comme j'ai dit en, en off, mais euh, de prévis le marche à côté du tireur, on a l'impression qu'il va lui tenir la main. Quoi. Mmh. Euh, Pampa, il se met un peu vis-à-vis -vis de lui pour essayer un peu de, de le dissuader de jouer long, dans, un peu comme ça, même pas. Euh, ça, le fait que. Euh, bonne lecture de la part quand même de, je pense de es, qui a compris que Metz avait tendance à beaucoup trop sortir son central axial sur le lavant pour justement faire un point de pression immédiat. moedo prend la profondeur et après, bah forcément, on a deux quand même deux cancres de la défense Messine parce que on parle du Dole comme le symbole de, des problèmes de la défense Messine, mais on va dire que Brown fait aussi une très belle saison dans ce sens-là. Hein, C'est pour un capitaine, je trouve que. Pour un capitaine et pour un vice-capitaine, ça doit quand même être très difficile de, 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 de recevoir des rôles de, de responsabilité quand euh, soi-même, on n'est pas capable, entre guillemets, de montrer l'exemple. Je, je, je pense qu'en termes de légitimité, ça doit être assez, assez intéressant à défendre euh, mm. comme, comme point de vue. Euh, et puis, non, après, derrière, effectivement, euh, euh, vraiment la passivité que, que l'on voit depuis des semaines et qui se répète. Et après, les autres buts ne sont que. Euh, euh, voilà quoi, la, la démultiplication des choses. Euh, le pompon, je pense que le, le dernier but m'a fait aussi beaucoup rire, le dernier but euh, en, qu'on encaisse, parce que Maïga, euh, qui pourrait par exemple. Parce qu'en fait, Maïga fait une immense boulette. Hein. Euh, je pense mmh. que vous l'avez remarqué qu au lieu d'ouvrir le jeu sur la droite, euh, voire de jouer avec Brown, lui, il va remettre le jeu à gauche. Il y a tous les joueurs l'en soi. <laughs> je ne sais pas pourquoi. <laughs> il dit ouais, tu vois, je, vais jouer, je vais jouer rapide sur le côté où il y a tous les joueurs en soi. donc normal donc non c'est <laughs> clairement du euh, il, il se moque de nous clairement hein, c puis voilà quoi donc euh, donc euh, la prise de conscience comme le disait Ben euh, zéro <laughs> tout simplement zéro Et donc euh, rendez-vous au prochain épisode bah écoute ouais, rendez-vous au prochain épisode prochain épisode qui arrive euh, qui arrive là ce samedi euh, du coup on va passer tout de suite dessus euh, et tout simplement je vais vous poser ouais, la, la, question, bah, la question que j'avais envie de poser, de poser à nos, nos, nos viewers ce soir Torres le Ifou n'hésitez pas parce qu'on est, est pas beaucoup <laughs> n'hésitez pas à nous dire si, si est-ce que vous pensez de cette question on prendra vos avis avec plaisir et euh, du coup cette question c'est bah, défaite samedi on perd face, face à la lanterne rouge on se lance dans une série catastrophique à l'approche de la canne est-ce que pour vous euh, je vais commencer par toi, Titi. Est-ce que pour vous, c'est synonyme de descente euh, irrémédiable Il euh, y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte plus tard dans la saison avec la Cannes notamment, mais effectivement, si on ne gagne pas ce match, je parle même, euh, même d'un match nul, si on ne gagne pas, euh, ce sera compliqué parce qu'il y a déjà un écart avec les 16e et 17e qui sont à 5 et 3 points. Euh, là, tu perds contre une équipe qui n'a pas gagné depuis la fin de saison dernière. Euh, ça va devenir compliqué, euh, mm. surtout sachant que Saint-Étienne, sur le dernier match, a montré quand même certaines ressources mentales pour arracher son match nul à la 95e, euh, en terminant 2 0, ce qui n'est pas une caractéristique qu'on retrouve chez nous, le mental, donc euh, ça peut se jouer là-dessus, plus que sur du football vraiment, et ça peut nous être très, très préjudiciable. D'autant que euh, j'ai entendu dire souvent quand j'étais petit, euh, les anciens <laughs> disaient qu'en euh, général, les relégables de la Toussaint sont les relégables de la fin de saison. Donc euh, je pense que ça risque de nous concerner là aussi. Très importante la parole des anciens. Est-ce que tu la rejoins, toi, Soquette, cette parole En l'état, je ne vois pas comment la tendance peut s'inverser. Je ne vois pas euh, quel est le... L'élément déclencheur qui va faire prendre conscience aussi bien au joueur qu'au coach d'ailleurs, parce que on parle des joueurs, mais le coach évidemment, on va dire, est-ce qu'il est justement protégé par certains Je ne sais pas. Quand je dis protégé, je parle de défendu par encore certaines personnes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui, en l'état, s'ils ne changent pas, Titi parlait de paramètres, mais ça rejoint l'idée. Euh, que si ça ne change pas, il euh, n'y a rien qui va faire que l'équipe va prendre conscience qu'il faut euh, mieux défendre collectivement, attaquer collectivement. Euh, ça, je déjà c'est des choses que généralement tu, tu, tu mets en place en pré-saison. Et quand tu rates ta pré-saison, et d'ailleurs, ce que, ce que disait Antonetti, si, il le reconnaît, hein, il dit euh, les trois premières semaines de la pré-saison sont pas très bonnes. Mmh. En substance, il avait dit son Il avait dit qu'il avait repris un peu espoir quand il avait joué euh, Montpellier en amical notamment mm -hmm. et le premier match de la saison contre Lille. Euh, mais Sion, pour lui, en fait, son sa première opinion était la bonne en fait mm. dès, dès le début. Et donc là, s'il n'y a pas un bouleversement majeur, euh, je vois pas comment euh, comment la tendance, la, la tendance va s'inverser. D'autant que euh, au niveau des, ad des adversaires directs, euh, notamment sur la phase allée, euh, j'ai fait un petit tour vite fait sur le classement, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore joué euh, de, de tous les adversaires, donc là on va jouer Saint-Etienne euh, ce week-end, on n'a pas encore joué Bordeaux, on n'a pas encore joué Montpellier, et on n'a pas encore euh, joué euh, Lorient. Tout le reste, entre la dixième et la vingtième, ont déjà été joués en phase allée. Euh... Donc, euh, ouais, parce que, ouais, parce que donc c'est tous les concurrents. Euh, Strasbourg s'est déjà joué, Clermont s'est joué, Troyes s'est joué, Reims s'est joué, Brest s'est joué et donc là saint etienne ce week-end. Donc clairement c'est, je je, 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 vois pas. Et puis après il y a la question de la canne ça c'est un, c'est euh, la cerise sur le gâteau évidemment. Euh, L'inconnu le plus total euh, sur ce que ça va. Euh, Est-ce que ça va vraiment faire tout exploser au club On ne sait pas encore. Peut-être pas d'ailleurs. Mais euh, non j'avoue que je suis très pessimiste et je pense qu'il être encore plus ouais, encore plus pessimiste la je le suis je le suis aussi je vais pas te mentir parce que on a, on a beaucoup trop entendu ce, ce côté en plus on est très connu pour foirer les matchs les matchs couperais. De, de descente on voilà on va pas revenir sur le, le passé récent du club mais pour ceux qui n'ont pas connu peut-être les années 2009 2010 quand on devait, quand on devait monter en lien ou quand on devait je sais plus quand on devait se, se maintenir euh, on, a, on a revu l'adn du fcms sur ces sur ces matchs là est-ce qu'on va avoir droit un peu au bonheur sur cette saison euh, je ne sais pas mais là euh, ça me semble ça me semble juste Ouais, juste une chose importante, c'est que j'ai fait un tweet dessus aujourd'hui et je pense qu'ils euh, ont une chance énorme, les, les joueurs, euh, que l'on n'ait pas pété un câble et notamment au stade euh, de, depuis début de saison. On oui. est quand même là, en ce 27 octobre, sur. Ça fait un an, oui. un an, que des supporters du FC Metz, au stade Saint-Symphorien, en, en compétition officielle, n'ont pas vu une victoire de Metz. à faire oui. un an et deux jours. Je trouve que même dans l'ambiance du stade, alors certains vont dire que euh, c'est vrai que cette ambiance de révolte, on ne la sent pas vraiment dans ce stade cette saison non plus, euh, je trouve qu'on est quand même assez sympathique euh, parce qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de supporters qui auraient bien avant pété des câbles et qui n'auraient pas supporté ce, cette période d'un an sans victoire, enfin euh, en, en assistant hein, je parle hein, de, de, de victoire, si ça ne dérange pas les joueurs, bah, tant pis pour eux, super, hein, mais mais ce serait bien quand même qu'il y ait une petite prise de conscience là-dessus parce que mine de rien je trouve ça euh, c'est clairement pas fameux quoi. Enfin, mm. Mm. Bon, alors faites pas attention, juste petite, petite petite interruption, je suis en train de vu que histoire d'avoir un peu de respect pour les, les gens qui nous regardent, parce qu'ils ils une voix ils en euh, il voit, il voit nos, nos têtes sauter toutes les deux secondes euh, sur, sur, sur nos webcams. Je mets en fait je, je mets à l'arrache les. les, les, les nos, nos écrans Twitter en fait. Pour histoire de. Ah d'accord, de... c'était voulu en fait. C'est voulu, vu. exactement. J'ai vu ton commentaire, Titi, c'est tout à fait bien. voulu. Ne vous inquiétez pas. on mettra C'est bien de laisser Kaby laisser euh, une personne qui lui se bat, c'est bien. Voilà, et ouais. ouais. en plus, on, <laughs> prouvoit... on voit <laughs> que vous êtes des vrais supporters parce qu'on on est des vrais supporters parce qu'il y a toujours une image qui est liée à Metz. C'est beau, j'adore ça. Je vais mettre la mienne maintenant. Elle ne bougera pas, pas de... cette image de Kaby. Hein. J'ai dit, hein, cette image de Kaby ne bougera pas. Tant qu'il a Metz, elle ne bougera pas. Très bien. C'est beau, c'est beau. C'est un très bel hommage à Manuel Kabi à qui on pense, bien évidemment. Euh, lui qui vit. Un euh... bel hommage je j'ai failli casser en, en faisant une remarque euh, tout à fait déplacée, mais je vais la garder pour moi. De... J'ai pas compris. <laughs> J'allais faire une remarque tout à fait déplacée, mais je vais la garder pour moi pour pas casser le bel hommage. Euh... Ouais, s'il te plaît. Ouais, on est peut-être que 4 euh, viewers, mais on peut peut-être sauter. Donc, euh, j'en sais, j'en connais les conséquences, notamment, euh, notamment sur Twitter. Mais donc, du coup, on va essayer de, va essayer de garder la chaîne, la chaîne vivante. D'ailleurs, merci d'être toujours, toujours là avec nous. Voilà. Maintenant. Dans quelques secondes, vous allez avoir apparaître les écrans de tout le monde de manière un peu plus fixe, histoire euh, d'être plus tranquille. Donc Saint-Étienne, euh, Saint-Étienne, les amis, Saint-Étienne, euh, c'est un contexte assez intéressant quand même parce que euh, euh, est-ce que c'est peut-être pas le match où on va peut-être pouvoir voir deux fois peut-être le même 11 euh, dans un match du FCS Parce que je ne crois pas qu'on ait vu pour l'instant. Euh, dans cette saison, c'est peut-être le mal qui a euh, qui a dans, dans ce club deux fois la même équipe et une certaine stabilité en fait avec les blessures qu'il y a eu les suspensions on est une équipe qui prend beaucoup de cartons euh, c'est vous pensez que euh, la va revenir titulaire ou est-ce qu'on va repartir sur le même 11 que, que face à Lens pour vous Oh, connaissant notre chance, on n'est pas à l'abri d'une blessure d'ici samedi, tu sais. Donc, euh, tu es un peu optimiste quand tu dis qu'on va revoir euh, deux fois de suite la même équipe. <laughs> non, mais je sais pas. Y a, je sais pas. Je, je suis plus vraiment au courant. Enfin, j'ai pas forcément su... peut-être bien suivi l'actu, mais il n'y a pas de suspendu ni de nouveaux blessés qui me... qui soit arrivé qui est pop-up euh, ces derniers jours, euh, Soket. Euh... Ouais, bon. Bah après, le problème, a, c'est que comme euh... Vous savez tous que notre club est très transparent sur l'état de nos joueurs. Hein. C'est oui, sa grande force. On va certainement apprendre vraiment l'état des joueurs blessés euh, ben, euh, la, lors de la conférence de presse d'avant-match. Oui. Euh, par exemple, la question de « ce que le Bobo Dukija n'était qu'un petit Bobo, par exemple. Euh, ou en est Nian ?» Voilà, il y a des petites choses. Est-ce qu'on n'a pas un joueur, un joueur qui s'est. Euh, genre une petite blessure, c'est un, un Bassi par exemple, qui n'est pas dans un groupe et, et tu découvres seulement que cinq jours après qu'en fait le mec était blessé. Par exemple. Oui, c'est vrai. C'est ouais. vrai, vrai que Gilles en plus nous le fait remarquer, c'est que oui, Bassi n'a pas, pas encore joué. Moi je l'ai vu personnellement, je suis très content. Je l'ai vu sur un, sur un décrassage à Angers et je pense que je serai le seul et l'un des seuls avec ceux qui étaient, qui étaient avec nous ce jour-là s'ils nous regardent. Je embrasse avoir vu Amine Bassi sur un terrain de Ligue 1. C'était une expérience incroyable. Mais euh, du coup, ouais, non, pour, euh, pour redire. Euh, ou alors, peut-être, grande folie de, de Frédéric Antonetti, on passe à son système préférentiel, le 4-2-3-1, avec une attaque euh, Boulaya, Gay euh, de Préville, Niane, qui, euh, qui pourrait pourquoi pas envoyer, envoyer du lourd. Après, attention, c'est un peu une légende, je trouve, de dire que. En fait, même si sur le papier, un... il, y a... il fait un double pivot, tu te rends compte qu'au final, il n'y a jamais vraiment un double pivot. Il y a toujours un des mieux qui se met toujours plus axial, plus bas que le deuxième. Parce que t'as pas vraiment, entre guillemets, de. En fait, en fait c'est que, à c'était. Même, par exemple, dans le schéma où tu te dis, par exemple, on met un ram pas jour, double pivot, par exemple, tu vas avoir toujours un qui va vouloir prendre le jeu à son compte, donc qui va forcément être plus bas parce qu'il va vouloir toujours faire le jeu. Et tu l'autre qui va être un peu. Euh, ouais, je suis là sans, sans pas trop faire. Sans, tu vois, je, En disant, qu'est-ce que je fais là euh, Machin. Mmh. Donc, je, ouais, je, même ça, euh, sur le papier, ouais, il pourrait faire. Mais au final, tu, tu, tu aurais toujours un système où, en gros, euh, tu aurais euh, bah, presque un seul pivot, en fait, naturellement. Enfin, qui prendrait naturellement le pouvoir sur l'autre, en fait. Je sais pas comment, comment l'expliquer. Mais, mais après, c'est sûr. Du coup, que le, le, milieu, on... le milieu à deux, très compliqué, du coup, ce que tu en train de me dire. C'est pas que c'est très compliqué, c'est parce que comme Antonetti et on le sait tous n'est pas un grand tacticien. C'est peut-être un bon coach, mais c'est pas un grand tacticien. C'est plus un meneur d'homme plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas quand les gens utilisent le euh, en tant que synonyme le mot tacticien pour un coach. Parce qu'il y a des coachs qui ne sont pas du tout des, des tacticiens et qui sont effectivement, comme tu dis, dis, dis des meneurs d'hommes. Et leur but, c'est de, justement de, 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 de faire en sorte. Ils ont même plus un, un rôle de manager, c'est-à-dire vraiment de gérer euh, l'équipe, tu vois, euh, de, de faire en sorte que ça aille de l'avant. Mais après, il y a des gens vraiment, ils doivent réfléchir, tu vois. Et je ne suis pas sûr que cette notion de réflexion. Euh, tactique, Antonetti est au top du top sur, le, le, sur, la, sur la question. Quoi. Donc, euh, et puis, d'ailleurs, ça se va très bien parce que t'as pas vraiment de. As pas de comment je pire ça T'as pas de rigueur tactique, en fait, MS. T'as n'existe pas la rigueur tactique, MS. Très souvent, même un plan de jeu, tu vois qu'il évolue, euh, il évolue énormément. Et puis, même, vous prenez les conf... Sur des phases ouais, précises, tu es en train de me dire, peut-être, sur des phases précises, on voit que les mecs sont pas du tout euh, prêts à réagir à un système au, au quart de tour c'est ça que... ouais bah, déjà ça et puis même surtout c'est que tu vois que euh, moi l'exemple parfait qui fait ça c'est que on voit que c'est un coach qui aime pas parler tactique c'est ah, ça hein. mais euh, il mais on, on, y, je... a, y a beaucoup de coachs qui aiment parler tactique je sens que t'as vu je sens que as vu, un, un... je sens que as vu une, une interview de nos amis de, de Winamax je crois sur, euh ouais bien sûr. Mais, 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 mais pour moi, c'est là où tu en apprends le plus et où tu développes... En fait, le pire, c'est faisant cet exercice-là, ça permet aussi de, 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 de toi-même de réfléchir sur tactiquement ce que tu veux faire. Et, euh, et c'est vrai que ben, vous avez déjà entendu Anthony dit parler de tactique bah Malheureusement, j'ai l'impression qu'on veut pas lui faire parler de tactique non plus. Euh... Sais pas, euh... Moi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même lui qui élude qui les questions en disant non bah, c'est l'état lui, de... ouais. c'est ceci, c'est la confiance, Il a aussi souvent eu un discours de dire euh, j'ai l'impression que je, je m'adapte aux adversaires, je n'ai pas de style de jeu. Il l'a il dit, ça, je me souviens, c'est une phrase qu'il disait ce, deux ou trois fois en conférence de presse, je n'ai pas de style de jeu. Euh, je m'adapte à l'adversaire. Le seul problème, c'est que maintenant ouais. les, adver les adversaires se sont adaptés, se sont adaptés à Mess. Et euh, en gros, on sait très bien que tes, tes, tes latéraux sont rapides et qu'ils euh, vont balancer sur, 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 sur un ailier ou sur l'attaquant axial et que, et que voilà, c'est là où tu vas, tes, tu vas faire tes différences. Non, mais il, est quoi, il dit ça, il se, il, bon, il se moque un peu du monde, hein, ça on le sait, mais, mais ils peuvent. Il, déjà, en plus, le, le pire, c'est que ben, clairement, il assume en fait que Metz n'a pas d'identité, parce qu'en gros, en faisant que s'adapter. Et en plus, là où il a eu la tort, c'est qu'il dit je m'adapte à l'adversaire, mais déjà, euh, comment tu peux oser dire ça alors qu'entre guillemets, t'as pas un effectif déjà qui te permet de t'adapter à tout adversaire, quoi. Oui. Je veux dire, euh, déjà, adapte-toi par rapport à ton effectif, à toi déjà, bah, oui. avant de parler de t'adapter à l'effectif de l'autre en face c'est ça le, le, le truc c'est à dire que par exemple je, je prends un exemple très très simple mais quand euh, sur ce match contre Lens dans le plus grand respect de l'adversaire et notamment de monsieur Klaus, piston droit au port de l'équipe de France mmh. tu mets euh, en centrale gauche un élément qui individuellement défensivement est un peu dans la merde depuis le début de la saison faut pas se cacher ouais. je parle de monsieur Hudol. Tu lui mets en plus un piston gauche qui est pas forcément prêt pour être titulaire, si on entend ce qu'il dit cinq jours auparavant, qui, on sait défensivement, a des difficultés. Euh, je suis désolé. Euh, OK, tu as fait un système avec deux pistons pour soi-disant bloquer les pistons en, en soi, mais tu manques de respect à l'adversaire. Tu, tu vois, tu il y, y a un peu d'indignité dans, 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 dans ce genre de jeu. Donc, quand il dit ça, je veux bien. Mais pour moi, c'est un peu... Bah ça rejoint ce que dit ici. Il est de le sujet. C'est très facile de dire je m'adapte à l'adversaire. Oui, je laisse l'adversaire faire la réflexion et en gros je m'adapte à l'adversaire. Oui, donc, -ce, ce que, donc Titi a en partie raison. Est-ce qu'il est ce qu est de se jouer jusqu'à ses propres joueurs parce que, bah, avec ses propres joueurs limite, c'est ce que serait pas ça la question. Je veux dire, je me demande vraiment de quoi quel quel schéma il parle. Je veux dire quand tu vois. Les, les enchaînements les enchaînements de passe c'est très, très scolaire j'ai l'impression en fait ouais, que c'est très scolaire que c'est beaucoup basé sur bah faut d'abord en fait limites faut, limite, faut d'abord améliorer les qualités techniques de chacun pour euh, ensuite peut-être penser à un, système, euh, à un système tactique précis pour Anthony j'ai eu l'impression en fait c'est assez bizarre mais je sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression qu'il croit beaucoup trop enfin qu déjà qu'il croit beaucoup trop en ses joueurs c'est-à-dire qu'il croit Prend oui. les capacités au potentiel de ses joueurs et que du coup il les surprotège au point de vouloir en faire du coup malheureusement aux, pro, aux grands âmes de certains des... Euh, ben, il, veut en faire, il veut en faire des cracks, techniquement et il en oublie complètement le système de jeu collectif. Je suis d'accord. Qui dit, si vu, tu veux dire quelque chose dessus ce que <laughs> oh non mais ça mais j'ai en fait j'ai l'impression que par exemple au remplaçant quand il est fait rentrer leur dit bon bah tu sais ce que tu as à faire et c'est tout en fait ce qu'il le les seuls. et c'est assez, bi enfin, les... assez bizarre parce de que là, en fait, il a il avait cette euh, je, juste pour te faire peut-être rebondir là dessus euh, Yad fait une bonne rentrée il n'y a pas de continuité chez les remplaçants en fait Yad fait une bonne rentrée contre rennes malheureusement sur sur trois, sur un score de 3 0 on le voit pas contre Lens où Chimpembe fait pas une entrée dégueulasse, il sort du groupe, je crois. Euh, contre oui. contre Lens aussi. Chimpembe fait pas une entrée dégueulasse. Si ça se trouve, il est blessé, on n'est pas au courant. Mais... Ouais, il ça était fait... blessé, on va la de... prendra demain après-demain. Il était blessé. Alors, ça, ça c'est le problème aussi de la communication de ce club. On ne va jamais savoir qui est blessé, qui est pas blessé. En fait, tout le monde est blessé, malheureusement. En fait, on peut aligner que 11 joueurs, je pense. Et du coup, les mecs, les mecs ne peuvent pas ça, rentrer. Ouais. Euh, vous y croyez, vous toi, Titi, est-ce que tu crois à la victoire contre, contre Saint-Etienne On a déjà répondu tout à l'heure, j'ai dit. Euh... Mmh. <laughs> c'est compliqué, euh, ça peut, ça va se jouer sur trois fois rien, ça va finir un jeu 1-0 un pour une des deux équipes euh, sur une connerie. Mmh. Euh, sur... Ça, peut... ça peut basculer de notre côté, comme ça peut <laughs> basculer de l'autre côté. Je te fais une réponse vraiment langue de bois. mais Vas-y, vas-y, <laughs> on, on <rire> est pas... habitué de toute son dans ce club. <laughs> oui, c'est sûr. J'ai envie de te dire oui parce qu'il parce qu faut que ça tourne à un moment et j'ai envie de croire que ça va être ce match-là, mais j'ai envie de le croire, hein. pas, pas que je le croie, mais j'ai envie de le croire. Je n'ai pas d'autre argument que ça. Ouais, <laughs> okay, bah ouais. C'est te dire, c est, c est te dire euh, où on en est. Quoi. Ouais, ouais. Après, le, le, le truc qui le truc, est, pour, pour un peu répondre à la question et aussi euh, par rapport à ce que tu as dit, Ben, sur l'aspect « il se repose sur ses joueurs euh, », pour Saint-Etienne, il va évidemment appliquer la stratégie Antonetti depuis euh, depuis qu'il arrive à Metz. C'est effectivement de reposer sur de se reposer sur les miracles que vont lui procurer ses joueurs, tout simplement. Donc euh, voilà quoi. Donc ça va être ça euh, parce que c'est très bien dit. C'est quelqu'un qui malheureusement euh, a eu des a, a des joueurs qui se sont beaucoup débrouillés par eux-mêmes pour faire des choses mmh. et donc euh, forcément quand des joueurs se débrouillent par eux-mêmes et font des choses qui marchent, ce qui était le cas de la saison dernière, mmh. pas, pas là, euh, tu, es, tu es n'as pas envie de faire l'effort de, 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 de retravailler tactiquement ton truc parce qu'en fait tu as des joueurs qui voilà, euh, se débrouillent bien tout seuls. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à, à, à travailler tactiquement mon équipe Pas, 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 pas d'utilité. J'ai Open Gate qui en théorie... Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais peut euh, normalement défendre euh, défend sur son côté. Il peut aussi euh, normalement dribbler 4 joueurs, euh, frapper à l'extérieur de la surface, mettre une lucarne. Boulaya peut faire à peu près pareil. Euh, non, tu, tu vois, donc. Euh, et Saint-Etienne, c'est ce qui il va, il va se reposer sur ça. Quoi. Et puis Saint-Etienne a un peu le même problème. C'est qu'eux aussi vont devoir se baser sur leur, leurs invélités pour essayer de, de, de l'emporter. Et donc, ça va être un match à l'arraché, un match à mort où. Euh, euh, ça sera à quelle individualité va le plus sauver la peau de son club. Malheureusement. Il y, a, il, y a Gilles, il y a Gilles qui nous dit sur le chat, euh, déjà, merci de nous donner l'info que Coman euh, essaie de se faire virer par le Barça, parce que c'est peut-être une bonne piste pour le, pour le FCMS, mais qui nous dit aussi, euh, <laughs> tu, il nous dit, tu sois, euh, déjà, il faut sortir, il faut sortir Mathieu Hudol Alors c'est un sujet qui est, souvent, qui est souvent revenu dans cette histoire. Euh, Mathieu Udol, on en a parlé avant l'émission. Euh, est-ce que ne fait pas partie justement de ces joueurs auxquels Frédéric Antonetti croit trop parce que l'histoire est belle, parce que c'est un mec pour former au club. Mais euh, du coup, est-ce que, est que pour toi, Titi, Mathieu Idol mérite d'être titulaire euh, au fcns cette saison Bah Non, non, dans, son, dans le poste de central, non. Il, non, il y a Mbem qui fait, qui a 18 ans, je crois, qui, adore, qui a deux, trois matchs en pro et il fait, il fait une meilleure impression que lui de, de, mm. sur ce poste-là. Donc, euh, après, euh, sur l'aspect, est-ce qu'il y croit trop Oui. Et il a un, un peu dit, je ne sais pas, mais en, en conférence de presse, l'autre jour, il disait que euh, c'était bien mieux, en tout cas, d'avoir un joueur euh, du cru dans, dans, dans le 11 et qu'il était un petit peu forcé par, euh, ce, sur, sur cet aspect-là et que Udol était un petit peu titulaire aussi, juste en raison de son lieu de naissance. Quoi. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que j'avais compris ses déclarations. Et donc, si on, euh, voilà, si on en est là euh, pour choisir les, les 11 titulaires, euh, bon, ça veut bien dire que le niveau est quand même euh, assez bas. Et <laughs> euh, okay, de... euh, que, effectivement, ce <laughs> n'est <tactiquement>, euh, <laughs> pas un, un tacticien euh, de, de renom. Il n'avait pas vraiment dit ça comme ça, mais c'est vrai qu'il soulignait ouais, le pas... fait que, que, entre guillemets, avoir des joueurs. Former au club te donne l'identité du club et que c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans l'effectif euh, slash le 11 peut-être ce que tu dis euh, ce que tu dis, dis peut-être vrai dans, dans ce cadre là euh, mais qu'il aimerait en avoir plus et il a fait ce petit sourire euh, ouais, adressé à à, à gaillot euh, ah oui alors ça ça euh, ça on peut, en, peut que... on peut en parler de cette de cette de cette déclaration on va faire une petite parenthèse dessus euh, donc du coup il pour remettre le contexte euh, Mathieu Hudol est le seul joueur du cru. Frédéric Antonetti avoue qu'il aimerait en avoir d'autres, mais ça, il dit, c'est une autre histoire, de manière assez, 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 ironique et assez avec un sourire qui, qui peut en dire long. Mais qu'est-ce qui peut vouloir dire ce sourire, selon vous -ce que euh... <laughs> bah, c'est très clair. Hein. <laughs> c'est très clair. À un moment donné, euh, euh, c'est une chose que j'avais. Alors, j'avais fait un tweet un peu polémique euh, cet été. Je m'en souviens. Euh, des, où j'avais dit polémies, à un moment donné. Non, mais j'avais dit, j'avais fait un tweet à un moment donné où j'avais dit, j'ai l'impression que à Metz, c'est génération foot contre les joueurs du centre de formation. Ouais. Et je pense là. que il y, y a du vrai là-dedans. Bah, il y, 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 y a du vrai là-dedans. Oui, je te rejoins là-dessus. Attends, je te, vas-y, je te laisse terminer. Non, il y, y a du vrai là-dedans dans le sens où euh, des jeunes de 18 ans qui débarquent à Metz. Euh, alors, déjà parce que euh, Heureusement qu'il y a des lois que même de la FIFA qui interdit les transferts avant 18 ans. Parce que tu pas à l'abri que ces jeunes-là, tu les fasses embarquer à Metz à l'âge de 17 ans. Mais on remercie les lois de la FIFA. Mmh. Euh, donc du coup, forcément, quand tu es un jeune et que tu vois un mec de 18 ans débarquer et passer devant toi, mmh. parce que c'est ce qui se passe avec les joueurs de génération foot récemment, hein, ouais. ils passent devant toi, tu dis bonjour, et, et après tu ne les revois plus. Euh, quand quand tu es un jeune, je parle. Euh, donc, donc ça, c'est sûr qu'il y a de la frustration par rapport à ça. Deuxième chose aussi, et là, euh, c'est là où Antonetti, euh, ok, peut-être que tu reproches que la politique du club ça va plus envers les jeunes, mais je te rappelle, monsieur Antonetti, euh, à moins que ce soit Gaillot qui ait dit, lui, 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 je vais, euh, on les prête euh, l'année prochaine, enfin, on les prête pour là, cette saison-là, je parle bien sûr de Mazis et de Miko de Tadze, mm. si c'est un choix d'Antonetti de les avoir envoyés à Serein, je Pense qu'il devrait se Ah, bah oui, là Sauf il est, si complètement est bien. Euh... Sauf si, voilà. si c'est bien Gaillot qui, euh, qui en gros, euh, veut le plus possible faire de la place à cette génération foot et entre guillemets, euh, les jeunes euh, du centre de formation, on leur fait le passage serein obligatoire et euh, pour gagner du temps. Mmh. Bah. Ah ouais, très bien. Mais le fait est que aujourd'hui, le constat qu'il fait, il, est, il, y a du, il trouve son origine dans là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui prennent l'autoroute et il y en a d'autres qui prennent la route de campagne. Ah, c'est une belle une belle, ça une belle un métaphore, l'état actuel, quoi. Belle métaphore. Ouais, merci beaucoup. Mais euh, c'est vrai que ça me rappelle un peu ce, ce côté un peu centre de formation contre euh, génération foot. En fait, ce serait peut-être pas devenu peut-être un club trop formateur, euh, parce que. Je me souviens notamment, il y avait des, des histoires souvent, c'était les. Quand on, quand on se faisait, il y, y a eu deux, trois moments où on s'est fait latter en Coupe de France sur des matchs dégueu. Ben, je pense à Rouen, par exemple, où on prend 3-0, c'est en 2019, je crois contre Rouen les 4000, c'est janvier 2020. Janvier 2020. C'est le premier, 2020. Match, 2020. premier match de, de Brown et de Pajot, si je ne me trompe pas. Et Ou bah, de Pajot. Coup, oui, c'était le, le... Le... Le, le premier. Braun. Braun était aussi titulaire, exactement, et c'était peut-être annonciateur. Ah bah, de... C'est brown pajot et Pajot joue en 6. Se... Ou... Ouais, enfin, un peu bizarre l'histoire. <laughs> et donc, du coup, il euh, y avait... Euh... Comment euh, Oui, il y a toujours cette histoire de quand on se fait la et il y a souvent des euh, quand on est un peu la honte euh, sur une grande chaîne de, euh, du foot français, euh, notamment la face à Rouen, as souvent des jeunes du centre de formation qui viennent et qui bah, crachent un peu leur, leur fiel à raison parce qu'ils ont ils ont pas été gardés, ils ont un peu ce ressenti ne pas avoir été gardés au club et tu as souvent aussi ce discours qui ressort du euh, ben bah ouais mais ça fait confiance qu'au mec du Sénégal, qu'au mec de génération foot et du coup nous on est euh, on est un peu laissé pour compte. Euh, Est-ce que on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a un en fait, pas on a, on a un club trop formateur peut-être. Et on n'arrive pas à transformer. C'est un peu bizarre. C'est en fait. juste que le niveau des jeunes n'est pas suffisant et qu'il y a un problème au niveau de la formation et que le niveau des jeunes n'est pas bon. Et qu'ils sont mieux formés euh, à génération euh, foot que chez nous en fait. Je, je, que, le niveau, que le niveau soit, soit pas bon, d'accord. Mais euh, le foot est quand même un sport populaire en Moselle Je pense que tu es, t es placé pour le pour le savoir, Titi il euh, y, y a beaucoup de clubs qui il euh, y a beaucoup de clubs il y a des gamins il euh, y a des gamins qui jouent un peu partout c'est pas euh, c'est peut-être possible de faire mieux dans cette euh, c'est possible de faire mieux dans cette euh, dans cette politique là d'aller chercher des jeunes du cru et de et de, de comment et, de, et de, les, de les développer sur le dans dans le club local quoi je veux dire ben c'était là je pense que c'était l'idée de base du partenariat qui était passé il y a quelques années là Messe-Moselle avec huit ou neuf clubs amateurs du coin enfin de, du département mais je sais pas s'il y a vraiment eu des résultats de ce niveau là mais... après les nos meilleurs joueurs en, en jeunes ils partent à l'étranger il y a celui qui est parti à Fribourg il y a pas très longtemps là et peut-être et euh, déjà, l'étranger est plus attractif que l'équipe première de Metz. Et euh, aussi, peut-être parce qu'ils savent que justement, il y a de moins en moins de jeunes du centre ouais. qui vont faire leur place en équipe première. Et ils se disent Bon, c'est pas à- peine que j'essaye, je pars ailleurs. Il y a ce mm. club-là qui, qui m'intéresse ailleurs, à l'étranger. J'y vais de toute façon parce que j'aurais sûrement plus de chances de faire ma place en équipe première mm. qu'à que, qu Metz, en fait. C'est une situation dont c'est souvent plein, Anthony Roité des destinations à, à, des, à, des joueurs, à des joueurs très très jeunes du centre de formation qui n'avaient plus envie de jouer à Metz. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on se retrouve pas aujourd'hui avec un fouillis de joueurs formés J'ai l'impression en fait de voir en fait quand, quand je passe un week-end sur le FC Metz entre Metz serein et peut-être suivre euh, des, des petits jeunes qui sont, qui sont ailleurs. J'ai l'impression de n'avoir que d'avoir du FC Metz partout sauf et du coup enfin pas sauf euh, sauf Amès, du coup et du coup de euh, qu'on ait un club qui euh, qui est beaucoup trop beaucoup trop fouillé en termes de quantité de joueurs et qu'on n'est pas du tout euh, prêt à avoir une équipe euh, une équipe fanion euh, prête pour la ligue 1 du coup je sais pas je sais pas si mon raisonnement sans... privilégie plutôt la quantité que la qualité bah, Peut-être. C'est même pas ça. Pour moi, le vrai problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux camps à l'heure actuelle au sein même du FCMS. Tu as le camp de ceux qui poussent à fond quand même pour que la formation à Metz. Parce que, je suis désolé, ceux qui me parlent de Génération Foot, un centre de formation du FCMS, il y a quand même un petit hic dans votre histoire c'est que les joueurs ne sont pas formés à Metz. Dans la ville de Metz, dans l'environnement mmh. de Metz. Mmh. Ces géants-là, ils vont pas à L'âge de 16-17-18 euh, à 18, ils arrivent à 18 donc pour le coup ça marche pas, mais ils vont pas à genre de 15-16-17 ans au stade, voir des fois Metz, voire Metz se faire des fois l'athée, voir mettre l'ambiance que c'est, l'environnement, les attentes des, euh, des supporters sur place. Mm. Ils le ressentent pas ça quand tu arrives à 18 ans euh, du Sénégal, euh, que tu as aussi la par rapport à c'est compliqué. Euh, et donc, en fait, déjà par les centres de formation, quand tu parles de génération foot, pour moi, c'est quand même assez, assez osé de dire ça. Et surtout, là où je dis qu'il y a une, pour moi une, une opposition, c'est que tu as effectivement ceux qui poussent pour que la, la, la formation AMES reste de qualité et continue à, 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 à grandir. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bertrand-Antoine, qui ouais. a un rôle euh, assez important chez les jeunes. Euh, à, à Metz, quand même, parce qu'on voit d'ailleurs dans, dans son approche, hein, moi j'aime bien aussi quand il fait des posts où il explique son approche, tout ça, c'est hyper enrichissant d'avoir ça. Et puis il y a quand même de l'autre côté un monsieur dont on parle plus beaucoup, enfin qui a, a, a eu uh, temporairement euh, qui était crois, basé à Metz, que à Metz euh, depuis quelque temps, mais qui, je crois, est reparti euh, à Génération Foot, chapeauté désormais les deux, je crois, un truc comme ça, 4, quand même 4 monsieur, mois, après. Euh, je crois. Ouais, quatre mois quatre après, c'est monsieur, monsieur Olivier Perrin, c'est ça Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Et je pense que lui, il est partisan de la méthode Génération Foot. Mmh. Ce que je peux comprendre, Génération Foot, euh, euh, il a tissé, voilà quoi. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, la réussite de Génération Foot, c'est un peu aussi le, la réussite de son bébé qu'il a, qu a aidé à développer aussi. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opposition interne au SMS entre. Euh, entre, entre ceux qui veulent, faire, veulent continuer à faire monter la formation MS et ceux qui veulent pousser Génération Foot. Et quand tu vois, et pour revenir à ce que disait donc Antonetti, quand tu vois sa réaction, tu te dis que lui, il est un peu, pas au-dessus de tout ça, mais presque, tu vois, et en gros, il voit les jeunes de Génération Foot débarquer. Ce qui l'embête un peu, c'est qu'il les voit pas forcément prêts à être oui. bons pour la Ligue 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les maltraite un peu, si l'on veut, hein. quand tu vois IAD. Euh, par exemple euh, donc, tu, tu, donc tu sens que c'est pour ça qu'il est un peu exaspéré de, 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 de voir cette situation où en gros on lui refile des jeunes et c'est débrouille-toi en fait mmh. et, et donc moi je pense que tous ces éléments rassemblés font que ça traduit un peu ce qu'il y a aujourd'hui cette dualité entre le centre de formation Metz et Génération Foot d'accord qui pour moi est, est, est l'expression parfaite, c'est ce que tu disais Ben pour en terminer là, c'est le fait que certains joueurs, euh, certains jeunes joueurs de Metz, enfin anciens joueurs de Metz qui euh, n'ont pas été au-delà de l'équipe réserve par exemple, et un peu d'amertume en voyant la situation. Mmh. Ouais. On va terminer sur ce, ce, petit, ce petit encart formation qu'on a fait du coup, parce que j'aimerais revenir juste en dernier point. Euh... Sur le... parce que là on arrive à un match du coup hyper, hyper coup près euh, c'est on est sur le... la troisième année du projet du coup euh, du projet Antonetti euh, qui était basé sur euh, de la formation et de la post-formation de jeunes joueurs aujourd'hui avec les signatures de Gemerson et de, de prévy qui sont arrivés un peu en catastrophe est-ce que euh, on va dire Frédéric Antonetti c'est a complètement changé de bord pour sauver sa, sauver sa tête pour sauver vous Je sais pas, Titi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il a abandonné son idée d'intégrer de, ouais. de plus en plus de jeunes, c'est ça Oui, c'est ça. Bah, je pense que au final, ce qui prime toujours, c'est les résultats et donc euh, tu prends les joueurs qui sont le plus à même de te donner des résultats et il a dû vite comprendre que finalement... Euh, nos jeunes, euh, c'était pas forcément les plus à même de, de faire ça, et du coup, il prend des mecs d'expérience parce que mine de rien, notre équipe est assez jeune et inexpérimentée, même s'il n'y a pas spécialement de, de jeunes du centre de formation de, dedans. Et je ne sais pas si c'est spécialement pour sauver sa tête à lui ou si c'est plutôt pour sauver le club en, en général, mais il a, oui, il a, il a dévié de, de ce projet-là. Oui. Je pense qu'il n'a pas dévié. Je pense que depuis le début. Il pousse pour avoir des joueurs d'expérience à Metz. Mmh. Encore une fois, hein, quand on voit les premiers joueurs qui recrutent euh, la première saison, 2018-2019, on n'est pas, des... pas sur la politique forcément de prendre des, euh, des jeunes et de, les faire, euh, et de les faire monter au plafond. Hein. Mmh. Moi, je pense que depuis le début... Il, a une, il veut jouer avec des joueurs qui. Il veut, en fait, il veut un équilibre entre talent et expérience, mais il veut quand même des joueurs d'expérience. Et je pense que l'arrivée des joueurs d'expérience récemment, c'est un coup de pression qu'il a mis. T'es sûr à la, alors, à, à la direction. Je, alors, moi, attention moi, je pense que, que oui. Parce je sais pas que. C'est si bon, réfléchi aussi loin que ça. Dans les, dans les joueurs d'expérience, on va quand même compter Gemerson qui vient d'arriver. Et lorsque la presse avait évoqué euh, autour de Frédéric Antonetti la, la question de l'arrivée de Gemerson on le sentait un peu désabusé sur cette question, quand même. De se dire, euh, on manque de moyens, euh, voilà, moi, on me dit qu'on n'a pas de moyens, j'ai pas, 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 pas pu prolonger John Boy, euh, j'ai pas pu, voilà. On voilà, a, voilà. On n'a pas, pas de voilà. moyens, on me dit qu'on n'a pas de moyens, et bah du coup, euh, moi, je, voilà, je je comprends pas. Et on le sentait vraiment incompréhensif face à, face à cette arrivée. Elle est, elle est faite maintenant, et je pense qu'il en est quand même assez content. Mais est-ce que c'est pas. Alors, est-ce que c'est. Selon toi, j'ai l'impression que Soquette, à ton avis sur la, sur la question, c'est plus dû au fait qu'on n'ait pas prolongé John Boy ou au fait que justement, ça ne rentre pas en compte par rapport à sa, à sa politique de recrutement. Parce qu'on avait déjà quand même Niakate qui était là, On avait il voulait peut-être lancer euh, Mdang à la place de g je ne sais pas. Mais euh, du coup, c'est vraiment plus un, une réaction épidermique due à la, au départ de John Boy, selon toi Tu as répondu à ta, à ta question bah oui, parce que, en fait, moi, je, moi comment, si je mets à place Antonetti, dites-vous une chose. On, vous faites votre réunion avec, votre, avec Gaillot, euh, euh, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, moi, l'intermédiaire le, dans les discussions comme son fils, par exemple, je ne sais pas, bref. Euh, vous, vous, faites, vous faites la réunion, tout ça, et on vous dit, en gros, alors financièrement, le problème, c'est qu'on ne pourra pas prolonger John Boy euh, à ces conditions. Euh, euh, ça ne sera pas possible, euh, voilà. Bon, mm -hmm. bah déception forcément, parce que là, vous dites, bon, je fais quoi alors maintenant Ah, en plus, Fofana veut partir, ah, c'est embêtant quand même, hum, ok, d'accord, ouais, bah, je vais faire ça. Et là, vous apprenez, vous apprenez euh, juste après le mercato, que, ah, mais on a des fonds pour signer Gemerson. Ah, c'est ouais, vrai que... Alors, là, du coup, dites... ce, Attends, seconde, ce, ce, maintenant... ce, serait, ce serait un réveil de la direction sportive en gros, c est, c est, moi, je, moi je ouais. pense que c'est un coup de pression d'Antonetti qui a monté, dit, en l'état actuel, et encore une fois, c est, c est, si, moi je pense vraiment que son pressenti qu'il a de dire, j'ai senti dès les premières semaines qu'on qu n'était pas sur la bonne direction, euh, il a dit, il a dû certainement en parler avec Gaillot de ça, peut-être que Gaillot a dit, bon, on va quand même laisser le temps à la saison de se démarrer pour voir ce que c'est, et à un moment donné, sur les premiers matchs, voyant quand même que Metz commençait à, à, à notamment être fébrile défensivement, euh, pression quand même de dire euh, bon mais Coco vous avez refusé de, de, de plonger jeune boy euh, va falloir trouver une solution quoi parce que ça va pas être possible si on, on est très très faible en effectif défensif en plus euh, bon voilà on a dû vendre euh, Mamadou Fofana on a ça a commencé à être chaud ouais. et, et donc on lui fait venir Gemerson mais du coup euh, bah ouais, le mec il dit bah attendez si vous avez pu mettre les moyens pour signer Gemerson qui vu son expérience euh, devait pas coûter euh, 20 000 euros par mois quand même pas euh, ben, entre un mec comme jemerson qui est à court de forme parce que il a dit lui même qu'il s'était pas il est pas fait d'entraînement et donc il faut le mettre en forme qui en plus a vécu une dernière saison euh, un peu euh, un peu quand même terrible à monaco quoi, hein, sa situation à monaco l'année dernière oui. bon, voilà et je pense je pense pas qu'il et... soit fait pour jouer dans notre, dans notre club d'ailleurs mais c'est notre histoire continue c'est une autre histoire mais, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, donc as plein de paramètres qui vont pas dans le sens de Gemerson le mec doit coûter extrêmement d'argent et de l'autre côté donc tu, re, tu acceptes de payer Gemerson euh, certainement à ce qui, au prix qu'il a demandé mais tu refuses de prolonger John Boy qui donc fait qu'il n'y aura pas de problème d'adaptabilité il connaît le système euh, machin euh, en plus c'est ton capitaine c'est ouais. pas genre le 14 e joueur de l'effectif ouais. euh, moi je, moi, si je suis en T, je vois ça je suis désabusé je dis mais vous faites quoi en fait là vous acceptez maintenant mais vous acceptez pas et d'ailleurs ça serait marrant parce que ça me ferait relativiser presque le fait que John Boy a attendu le dernier jour pour partir de Metz parce que tu penses qu'il attendait un signe en... franchement franchement je, 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 je que l'histoire enfin je trouve que l'histoire serait tellement belle qu'il a attendu jusqu'au bout parce qu'il pensait que Metz, au dernier moment, allait quand même lui proposer un truc. Un peu le coup fait dans une mesure un peu moindre, parce que c'était comme un peu avec N'Gate. Ouais. Quand get avait, avait attendu le plus possible que le, le deal à Nantes avait sauté, le deal en Belgique avait sauté aussi, et que, et que derrière, Metz était revenu à la charge avec une proposition, et c'est là où il avait prolongé. Et je ne sais pas si Boy avait la même stratégie en tête par rapport à ça ou si Anthony T, peut-être avec Boy, comme je pense qu'ils ont des bonnes relations, euh, tenter de, de dire Attends un peu avant, de voir si Messi va, va pas bouger sur ton cas, machin. Et qu'à un moment donné, dernière journée, il dit Bah, c'est bon, euh, on peut pas attendre plus. Quoi. Enfin, et, et du coup, j'aimerais croire à cette histoire-là. Ça serait beau. Et du coup, ça expliquerait pas mal de choses. Genre l'attitude d'Anthony T sur ce que t'as dit, Ben, sur euh, la réaction vis-à-vis -vis de Jemerson. Oui, le mec est désabusé de dire Bah, ouais, on n'a pas pu prolonger John Boy et vous me ramenez Jemerson. Titi, nouvelle preuve que euh, même, même avec un mec qui semble amener un projet de jeu un peu cohérent et qui semble se nouer des liens avec, hyper affectifs avec notre président, que notre direction sportive n'est pas faite pour s'entendre avec, avec, avec un entraîneur en fait. Ben bah, ouais, j'ai l'impression que peu importe qui tu mets sur notre banc, il euh, n'y aura jamais... Euh, de résultats sur la durée, en fait, ça fait euh, depuis, bah, depuis Joël Muller qu'on n'a pas gardé un entraîneur sur, avec un, un, une, certaine, euh, une certaine. Comment majorité, une, Sur un. un... Oui, sais. voilà, c'est ça, merci. Euh, celui qui est resté le plus longtemps de euh, nos entraîneurs ces dernières années, je ne saurais pas vous dire, depuis Joël Muller, euh, ça doit ah, faire 3 ans, 4 ans. question. Tu vois <laughs> Donc, euh, c'est que y a pas de, y a pas les, les conditions ne sont pas bonnes pour, euh, pour ça, quoi le quartier. Euh, quartier après euh, évidemment quartier, les, quartier les quartier fait trois ans quartier fait trois ans mais, ouais, mais c'est a... une reconstruction à partir de, de zéro ouais. pour quartier donc euh, il... il pouvait que faire mieux que ce qu'il avait au départ donc euh... et il pouvait que faire progresser euh, le, le, les joueurs qu'il avait à disposition donc euh... pour le reste j'ai pas à souvenir que ce soit arrivé donc euh, sur les 20 dernières années donc euh... vous pensez qu'il serait capable un souci qui part et... Vous pensez Et... qu'il serait capable de démissionner, selon vous Vu... Euh, on... ouais, Antonetti. Oui, Antonetti. Oui, Antonetti. Je ne parle pas de Gaillot parce que je, je pars du principe que Philippe Gaillot, même quand je ne serai plus là, euh, je ne serai plus de ce monde, <laughs> sera toujours directeur sportif du FCMS. Mais euh, Antonetti, euh, si on lui tire dans les pattes comme on est en train de, de le développer là en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va se dire, bah, c'est bon, merde, j'en ai marre. Euh, J'avais dit de toute façon que euh, dans une séquence émotion, que ce serait mon dernier contrat et que j'ai quand même prolongé. J'en ai marre, je me tire. Écoute, hein, si je ne sais les... pas si c'est dans son caractère d'abandonner comme ça, mais je ne pense pas que ce soit dans son caractère. Mais si vraiment ça lui pèse trop, euh, je pense qu'il peut en arriver là. Mais je ne sais pas si ça n'arrivera pas après le match de samedi, quoi, mais… Il faut vraiment encore voir plus plus longtemps si ça se dégrade encore plus, mais pour l'instant je dirais non. Et franchement, s'il est prêt à renoncer à trois années de contrat payé, je suis du chapeau. Plus, oui. Parce qu'il a quand même prongé jusqu'en 2024. Hein. Il a pas prongé la ouais, ouais. saison. Hein. ça ouais. aussi, hein, on en prend, on, on aurait pu en longuement parler, mais on fera pas là. Mais le mec a quand même pas, il a pas prongé jusqu'en 2022. Il a prongé jusqu'en 2024. <laughs> Donc on oui, est... va dire que il a tout intérêt à ce que Metz le vire plutôt que de partir lui. D'ailleurs, je pense que même en cas d'une descente, il sera. postulera toujours pour rester ici. Parce que je ressors un. Je n'ai plus la date de la conférence, mais il avait sorti lors de notre mauvais début de saison en Ligue 1. Après notre remontée en Ligue 2. Il dit qu'une redescente en Ligue 2 ne serait pas catastrophique. Voilà, donc pour lui, le Metz, est fait pour naviguer entre la Ligue 2 et la Ligue 1 mais à terme il arrivera à lui à lui redonner bon peut-être que ça a changé depuis mais euh, je pense que hein, la, la décision vous pensez ben, on est tous d'accord pour dire que la décision viendra du, du président si, euh, si on doit virer euh, Frédéric Antonetti mais est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est qu est qu pourrait venir samedi si on prend euh, une, un nouveau un nouveau quatrain, là à domicile imaginons imaginons saint etienne faire un début de match complètement fou euh, dopés par le fait qu'ils arrivent pas, ils n'arrêtent pas, ils sont revenus contre Lyon, ils sont revenus contre Angers à la dernière minute. Ils ont été, je sais pas, genre ils sont à l'Etra, il y a des Magic fans, des Green Angels qui les ont boostés à mort, qui, ont, qui, ont de la, qui les ont dopés à la, à la codéine ou je sais pas. Et euh, du coup, les mecs sont, euh, sont surchauffés, nous foutent une euh, une rouste, pour pas dire autre chose. Vous pensez que sera euh, pour faire un geste fort euh, dit euh, Frédéric Antonetti, c'est terminé? Vas-y, si, si, tu peux, ah, <laughs> peux déclencher ouais, le je, site, je... Moi, personnellement, j'ai l'impression dites... qu'ils ont. Vas-y, vas-y. Vas j'ai l'impression que Serein et Antonetti ont des liens quasiment fraternels depuis ce qui s'est passé et l'éloignement d'Antonetti de, de Metz, mais le fait qu'ils restent quand même liés au club. J'ai l'impression que cet épisode-là les a vraiment rapprochés eux-deux en tant que humainement. Mais je ne sais pas si ça peut se traduire sur le plan sportif ou pas. Je pas. Ouais. Tendance à croire que c'est quand même <laughs> deux grands cœurs <laughs> et que l'humain pourrait peut-être primer et que j'y arriverai pas à se résoudre à prendre une telle décision. Mais je peux mais complètement me tromper sur la nature de l'homme. Hein, le problème, <laughs> c'est que je connais pas plus que ça. C'est euh... mignon, les grands cœurs, mais j'ai envie de dire, les grands cœurs, quand ils sont 19e de Ligue 1, euh, les 25 000 personnes qui ah oui, euh... ouais. C'est compliqué. Et puis quand C'est compliqué. Et quand c'est ton argent, quand... Quand est... Est ton argent euh, qui est en jeu hein. Ah bah, oui, c'est ça le, le, le truc, qu c'est que là, euh, ouais, alors, je, ce que dit ici, je, je comprends parce que euh, sans aller dans les détails, il se trouve qu'il y a eu des trajectoires un peu similaires dans ce qu'a vécu personnellement Antonetti par rapport à ce qu'a vécu serein personnellement. Oui. Pas par rapport au même type de personne, mais il y a bon, de toute façon, c'est de l'autorité publique, hein, mais euh, vous verrez qu'il y a eu euh, chacun, l'un des deux a eu un proche qui a été bien et qui, malheureusement, par laquelle c'est compliqué, par c'était plus compliqué par la suite. C'est pour ça que les deux se sont énormément rapprochés, et donc c'est pour faire quoi ce que dit Titi sur le fait que humainement ils peuvent être très très proches les deux, et donc ce qui fait que ça peut être compliqué effectivement de se débarrasser d'Antoniti de la sorte. Après, il y a effectivement l'aspect argent parce que là, mes cocos, si MES descend en ligue de l'année prochaine, aïe aïe aïe, attention, va pas s'accrocher parce que là ça va être assez sportif. Ouais. Préparer les, les expéditions urbaines dans la tribune sud parce qu'elle ne va pas servir à grand chose. Hein. Ah là, le skate game, il va prendre une sacrée taille quand même ah. là, là, dans, <laughs> dans la tribune sud. Hein, je peux vous dire. Non mais ouais, vous faire du stade un, un lieu de loisirs multifonction etc. Bah là, euh, oui effectivement. <laughs> c'est euh, parfait, oui. c'est clair. Ouais. Allez, on, va pouvoir, on va pouvoir faire euh, le, le test en grande nature. Non, mais par contre, je, là où ça, on en va toujours à une question, c'est que même si il vire Antonetti, il est obligé d'avoir dans sa réflexion de savoir qui c'est qui met à la place. Okay. Et c'est là où pour moi il y a une grosse inconnue, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait pas concrètement, déjà, qui pourrait remplacer Antonetti. Et si je veux aller même un peu plus loin, on ne sait pas aujourd'hui, par exemple, si le staff est derrière Antonetti ou pas. C'est pas faux. Parce que si le staff est derrière Antonetti. Concrètement, remplacer Anthony par un, un adjoint, euh, je sais que certains parlent beaucoup de, 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 de Taveno par exemple, on ouais. en, en parlait. Euh, la question c'est si le staff est vraiment fait corps avec Anthony T, ben, au final tu vas changer une personne pour une autre, mais est-ce qu'il y aura une vraie, un vrai changement de politique mmh. euh, dans le jeu pas, Peu ou pas, pas, pas beaucoup de chance, quoi, tu vois que ça arrive. Par contre, si vraiment. Euh, le staff est vraiment dans son esprit un peu opposé à ce que propose Antonetti depuis euh, notamment la, 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 la reprise du championnat. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose à tenter. Ouais. Si oui, le staff oui. a des idées après, nouvelles et qu'ils euh, qu ont une, une meilleure analyse de la situation. Après, un Benoît Tavenot et un Stéphane Saillant, entraîneur de la réserve, tu sens que ça a été quand même placé, euh, c'est très connoté Antonetti. Je ne veux, veux pas dire que oui. c'est parce qu'ils sont corses mais c'est des mecs qui, je pense, Jean-Marie de quand il se barre et qu'il revient, c'est certainement parce que Frédéric Antonetti revient lui aussi. Euh, je, sais pas si je, peux, je peux utiliser un contre-exemple Vas-y, je t'écoute. Oignon. Oignon. Oignon a été placé par Antonetti au poste d'adjoint. Oui, c'est vrai. Vous avez vu comment Antonetti a, a fait comme si Oignon n'avait jamais existé par la suite ah bah ça, Vincent Oignon, ouais, c'est vrai qu'on a pu trop... Enfin, c'est vite passé, quoi. Mais justement, t'as... Bah, c'est pas ça, mais c'est que quand tu en ent... ouais. quand entends Anthony, il depuis trois ans, il était là. Il n'y avait pas d'Oignon, ça n'existait pas. Il a tout fait. Tactiquement, c'est lui qui a trouvé le schéma hybride, c'est lui qui a tout trouvé. Mm. Oignon n'a jamais existé. Oui, il n'était qu'un pantin. Donc... En fait. Ce qui est... C est, c est voilà. Qui est... Et pourtant, c'est lui qui l'a fait venir, pourtant. Donc je me dis que peut-être que, que voilà quoi il n'y a pas il a pas forcément de la fidélité jusqu'au bout quoi. Ouais mais hein, après, euh... les les voix du Fredo sont imprégnables donc on ne sait pas trop ce qu'ils pensent des <laughs> gens. C'est vrai. Ouais. Mais du coup en fait on, pour revenir sur Oignon il y a un camarade Grenat qui, qui nous suit depuis le début de l'émission et c'est très sympa de nous suivre. Ouais. Euh, cher camarade qui nous parle justement de euh, pourquoi Anthony en fait il reprendrait pas et moi c'est peu c'est un peu un avis que j'ai aussi. Ce poste intermédiaire entre Gaillot du coup, et le nouveau coach, un peu en mode euh, enfin manager, voilà. euh, pour pas tout, ouais, pour comme, comme il dit, pour pas tout jeter à l'eau. C'est vrai que ça pourrait être une solution intéressante, mais bon, il faudrait euh, trouver un entraîneur qui soit prêt à venir avec un staff établi, du coup. Oui, non, mais et puis là, il y, y a deux questions. dans L'une, il y a la question de, de ce rôle de manager, oui. <laughs> parce que. Il euh, ah, y a tu... l'apparence la, que c'était, il avait le rôle de manager, mais concrètement dans le fonctionnement interne, bon, euh, est-ce qu'il n'avait pas le rôle euh, Je veux bien termes. savoir ce qu'il avait comme termes. rôle, quoi. <laughs> je sais pas. Bah non, mais je veux dire, à un moment donné, je, je veux bien savoir ce qu'il avait comme rôle. C'est, c'est très obscur. Je le dis clairement, c'est très obscur ce rôle bah de moi, manager. Le, euh... je, le, je le vois bien, je le ah, voyais bien, je le voyais bien doublon de Philippe Gaillot en fait, limite, À regarder des oui, profils de joueurs C'est obscur, c'est obscur, ce que je dis. Mm. Il peut pas avoir de place pour, euh, pour un capitaine sur un navire. Mm. Tout à fait. Philippe Gaillot doit-il disparaître Donc, <laughs> mm, bah oui. le, jour où, le jour où ça arrive. Euh, je propose tous ce qu'on se rassemble, place de la Rep, euh, et on fait <laughs> une fiesta géante. Et, et puis on n'a voilà, rien personnellement contre Philippe Gaillot, hein, mais c'est juste que non, quel, non, non, quel non, club, quel les... club qui a tant changé d'entraîneur, de division euh, d'entraîneur, de division, même partir jusqu'à la troisième, euh, réussi à garder pendant 20 ans le même la même personne en charge du sportif, qui est-à-dire est ce qui est dans ton, ton activité principale et qui ne marche pas. Vous arrivez à ah ouais. trouver Et... non. Non, okay. non. vous retrouver Non. Aucun. Et d'ailleurs, dites-vous que une... j'ai pensé, mais l'histoire de manager, ce qui serait très marrant, c'est que ce serait un peu la deuxième fois dans l'histoire récente où, entre guillemets, il y a eu deux personnes qui occuperaient à peu près les mêmes rôles. Parce qu'à l'époque, de Freitas, qui était lui aussi, soi-disant, le directeur sportif, où on se demandait qu'est-ce que faisait Gaillot, il y avait aussi un peu cette histoire aussi. C'était euh, à quoi, si l'un fait ça, qu'est-ce qu'il fait qu qu l'autre Tu vois mm. C'était un peu la même histoire, un peu d'ambiguïté aussi. Euh sur les, euh, les postes un, un peu aux, aux missions similaires mais, mais du coup euh, ouais, ça c'est ça sera toujours le grand mystère parce que euh, la gestion sportive en plus Ga Gaillot j'ai un doute faut me confirmer il a ouais. oui il a, il a en charge plus que seulement l'équipe l'équipe première parce ah, que oui, le rôle oui, de oui, oui. était considéré comme étant en... parce qu'Anthony c'était vraiment genre euh, je chapeaute toute l'équipe première mais tout son fonctionnement et donc, du coup, tu dis que finalement, cette partie-là est enlevée de Gaillot. Oui, tout à fait. En mais Philippe, Philippe Gaillot a aussi un droit de regard sur la politique, de, je pense, sportive de Sauron, je crois, si je pas de bêtises. Oui, oui. oui il, est, Qui... bah, il est directeur sportif. Il, est, bah, il a le même poste là-bas. Oui. Voilà. Donc, hum. euh, bon, pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Hein, mais euh... Bon, écoutez, bon, je pense qu'on fera une émission spéciale Philippe Gaillot euh, une prochaine fois. Mais en tout cas, donc, euh, <laughs> pas de grande. Euh... Pas de grande décision sur, euh, sur l'avenir du coaching euh, au FCMS et sur ce euh, qui sera sur notre banc après, euh, après samedi même, même, même avec une déroute selon vous du coup pas de grand changement ouais, de... en fait on a démarré saison, on a notre enfin on prend le discours du club on a démarré notre saison en retard donc les, les défaites c'est les défaites, pas grave il y a un moment ça le deviendra mais pour l'instant c'est pas grave l'impression. J'ai peur que, comme souvent, en fait, on prenne les décisions quand ce sera trop tard justement, et que, bah, même si la décision a un effet avec un nouveau coach, etc., bah, que ça soit trop tard et qu'on puisse de toute façon plus se sauver, quoi. C'est, ça ressemble comme à un peu le même bazar que 2019-2020 cette histoire, là. En un peu plus pire, mais genre 2019-2020 qui tourne mal, quoi. Bah ouais, mais du coup, tu te, tu te sauves entre guillemets. Euh, T'as le mercato que tu quittes, sauve sur, sur l'histoire avec ouais. Pajo et Braun qui arrivent. Ouais. Oui. C'est vrai que euh... je, je garde très peu de souvenirs de la première partie de saison 2019-2020. Bah, elle n'est bah, pas très bonne hein. dans le jeu. Il n'y a pas de différence par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Hein. Ça n'avance pas. C'est vrai est ce que c'est vrai. Tu es sauvé par es sauvé par des exploits un peu individuels de certains de tes joueurs euh, euh, mais en soi dans le contenu, il n'y a pas de non, il a pas de différence. Non, c'est juste que en plus tu es un peu pollué par de, de du semi extra sportif euh, parce qu'à la fois tu as l'histoire de bon as eu l'histoire avec Endoram, tu as eu aussi euh, par rapport à Coad N'empêche par rapport... ah bah oui. Capitaine qui s'est fait ouais. Donc t'avais quand même pas mal d'éléments qui, euh, qui faisaient que ta saison partait en cacahuète sur la première partie. Et la deuxième, il bah, y a eu un peu plus d'ordre en fait. Il y a eu un peu plus d'ordre sur la deuxième. Mais On du a... coup, je sais pas s'il si sera encore temps pour mettre de l'ordre en janvier. Bah sachant que tu vas perdre peut-être 14 titulaires à moins que le Cameroun décide de, de finalement pas organiser un cadre Ça va. rendre, euh, je dis clairement, hein, j'y crois très moyennement au report. Pour oui, des questions non, 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 non. très simples, c'est que déjà, parce que faire une canne durant l'été, euh, rip. <laughs> et en plus, plus c'est con, hein, mais il y a une Coupe du Monde en 2022. Ouais, qui, oui, bizarrement, oui. va commencer, pipoil, là où il y aurait pu y avoir un report de la canne pour une période hivernale. C'est quand même bizarre. Hein. <laughs> donc, je vous avoue que je suis très pessimiste sur cette histoire de report. Le football est et bien ça. fait. Non, mais de toute façon, il y a des pays apparemment qui sont prêts à reprendre. Donc, euh... Même si le Cameroun, le Cameroun s'effondre, même si le Cameroun disparaît de la carte, je crois que le Maroc est, est un peu Il <laughs> en... y, y a toujours les Marocains pour nous sauver dans, dans ce genre d'histoire. Déjà, ils avaient déjà sauvé les fesses à je ne sais plus quelle nation euh, quand il y avait eu une histoire similaire, je crois. Ah ouais, ouais, mais euh, c'était pas, pas, pas la dernière, je crois, où, la mmh. où c'est l'Algérie qui va la gagner, d'ailleurs. Je ne sais plus. Non, c'est l'Algérie qui gagne. la gagner. Mais... La... C'est la... celle d'avant, je crois. C'est celle d'avant qui est organisée au Maroc. Je ne sais plus. Euh, du coup, bah, bah vrai, oui, je... les deux, deux pas trop au Maroc, ah, ouais. Maroc à la base, mais c'est le Maroc qui récupère. Ouais. Ok. Je <laughs> donc. Bah, je sais pas s'ils vont nous aider sur le, sur ce coup-là le Maroc, parce que bon, on... à moins qu'on voit euh... quand on voit le rendement de Dylan de Brown, on peut se dire bon écoute, euh, va en sélection, ça te fera du bien quoi. <laughs> c'est bon. Euh, ouais, a... ouais. Du coup, euh... bon, on va terminer là-dessus les gars, parce qu'en plus je commence un peu à avoir un peu faim. <laughs> euh, j'ai eu la que... bonne idée de manger avant. Bien joué, bien joué. Bien joué. Ça, <laughs> moi, je n'ai pas eu le temps. De toute façon, fini... pour tout te dire, j'ai fini de bosser. De toute façon, est... on est quasiment que entre nous. Là, j'ai fini de bosser très tard. Parce qu'en plus, je suis arrivé chez moi. Il y avait euh, camion de flics, les pompiers, tout ça. Il y avait une fuite de gaz. Donc, du coup, j'ai fini euh, à l'arrache. <laughs> C'était assez intéressant. Euh, et vu que je suis une commère... C'était la Belgique. Je croyais que c'était la Belgique qui t'a envoyé pour t'arrêter pour la vidéo. <laughs> ah ouais, non, non, non. Alors ça, Pinaise, ah pour une vidéo d'Ablay Jalo qui date d'avril 2020, punaise, c'est là aussi. Ouais. Franchement, exceptionnel. Je, je l'avais pas vu venir. Surtout, surtout euh, venu tôt, quelques mois plus tard. Non bref, euh, un prono juste pour, euh, pour ce mess synthé. Euh, Socket, d'abord. Oh, allez, je vais prendre des risques. Deux buts 1 pour Metz. Ouais, Putain, tu te rends compte que 2 buts 1 pour Metz c'est devenu un risque maintenant. Bah ouais, <laughs> bah hein. Non mais ça va ouais. pas du tout, là. ça va pas du tout. Et toi, Titi mmh. 1-0 pour, euh, pour Metz, but de Nicolas de Préville. Nicolas de Préville, le grand Nicolas de Roussel de Préville, qui fait euh, <laughs> un beau début de saison. Bien, bien. Voilà, qui surnage un peu dans cet effectif dans cet effectif messin. Bon, on essaiera d'être là pour euh, et avec les images pour, pour euh, décrypter et analyser ce, ce joli match.